Il y avait quelques centaines de personnes pour le retour sur le terrain de l'opposition togolaise après 2 ans d'absence. Tous ceux qui ont fait le déplacement sont des militants de la DNK, une coalition qui regroupe 7 partis politiques et 6 organisations de la société civile. Cette coalition avait soutenu la candidature à la présidentielle de 2020 d'Agbeyome Kodjo, aujourd'hui en exil. Lors de cette première sortie, les opposants ont égratigné l'exécutif togolais. Ils ne respectent pas la loi et abusent de ce qui est prévu pour interdire les meetings. Nous entendons désormais poursuivre le combat tout en repoussant les limites de l'arbitraire et de la dictature au Togo. C'est la première manifestation publique depuis la présidentielle de 2020, puisque le pouvoir togolais avait interdit toute activité politique publique en raison de la pandémie du Covid-19. Mais 2023, eh bien, c'est une année d'élections au Togo, à l'agenda des élections législatives et des régionales. On peut donc se demander si ce premier meeting n'est pas le début d'autres actions en vue des scrutins. Sur cette lancée-là, nous continuons, nous comptons faire le tour, aller vers les populations à l'intérieur du pays qui ont besoin qu'on leur montre que le moment est plus que jamais venu pour qu'elles se mobilisent. Le Togo doit changer, le Togo ne restera plus le même après 2023. Début janvier, l'opposition de la DMK affirmait qu'elle pourrait aller aux élections en 2023 si toutes les conditions étaient réunies. Elle ne souhaite pas pratiquer la politique de la chaise vide pour ne pas laisser un boulevard aux partis au pouvoir. Il y a deux